mon nom est Chantal Robert-Dupuis, j'espère que ça va bien. Je vous invite à regarder sur YouTube, j'ai plusieurs YouTube, dont une série hier que j'ai fait de 4 vidéos en enseignement familial, postpartum, mais dans l'organisation des bagages. On fait court-métrage, parce que j'ai pas les listes, je vais aller chercher si je suis capable les vraies listes dans un centre hospitalier. Tu sais, quand tu accouches, ils vont te remettre un petit livre où il faut aller trouver du vrai matériel pour t'aider, OK? Pour que ça fonctionne bien. J'ai fait des vidéos hier, on dit je donne le plus possible que ce que je suis capable de donner, tout en pensant à chaque fois que je le fais aussi, c'est des courts-métrages que je fais aussi. Là, je prends la boîte à pizza parce que, tu vois, pour penser aux enfants, puis aux adultes, aux jeunes mamans, parce que j'ai des jeunes mamans qui sont dyslexiques, OK? Que ça prend des appuis visuels, puis ça prend des fois des façons différentes de voir rapidement comment faire, OK? Puis comme j'ai dit, des fois, c'est juste, c'est pas une question d'intelligence, OK? Une question, des fois il peut avoir eu le pourquoi je ne veux pas le nommer parce que je l'ai nommé sur d'autres vidéos, mais on dit dans la compréhension lecture, il y a des lettres qui sont effacées qu'elle ne voit pas ou qu'il ne voit pas, ou il y a un non-savoir tout simplement parce que ça s'est pas, on dit, transmis d'une famille à l'autre parce que les temps changent beaucoup. On n'est plus dans l'ancien temps. Là, il y a des choses que je veux que tu vois positives, OK? Ceux qui ont été élevés par des parents plus âgés, il y a des choses que je veux que tu vois très positives puis que je veux que tu vois tes parents très positivement aussi parce que tu as un savoir que d'autres n'ont pas. Puis ça, c'est sans... il n'y a pas d'accusation dans ça. C'est là que la note... est importante lorsqu'on parle, OK? Parce que tu as des trucs. Puis je pense qu'il y a un grand écart maintenant. Il y a un grand écart entre les trucs depuis l'arrivée des garderies, puis de la femme au travail aussi, qui fait qu'il y a des enfants qui sont allés à la garderie très, très jeunes, OK? Puis qui sont aujourd'hui professionnels. Donc, on dit les enfants des premiers... commence à aller en profession. Donc, maman est une professionnelle. Elle a été à la garderie très jeune, genre peut-être même un an, OK? Elle a été élevée par une mère professionnelle, un père professionnel. Les deux travaillaient sans accusation, OK? Mais il y a quand même un contrepoids à dire dans la balance à quoi était utilisé l'argent. OK? Acheter deux Harley Davidson, puis en plus, la fin de semaine, elle est toute seule. C'est là qu'on dit, il peut avoir matière à poursuite. Oui, il peut avoir matière à poursuite. Si je suis inquiète avec le savoir qu'il peut avoir un problème dans le futur, que ce soit peu importe à quelle sphère, dans laquelle sphère, OK? Donc, il faut faire un choix à un moment donné. C'est beau avoir beaucoup d'argent parce que les deux travaillent. Il faut faire un choix. Mais on peut rajouter... Là, j'ai pas nommé de nom, OK? On peut rajouter... Elle a toujours été très bien. Elle est hyper sociable. Elle a aucun déficit. Elle est très heureuse. Puis, elle sait très bien que quand ils partaient en moto comme ça, il y avait vraiment besoin de se reposer. OK? Que c'est deux professionnels qui donnent beaucoup... à beaucoup d'humains, OK, dans l'aide humanitaire, puis qu'elle a beaucoup d'argent déposé pour elle, au cas où, toute sa vie planifiée, OK. C'est là qu'on dit, ne viens jamais juger, puis tais-toi. Quand on croise des gens, il faut s'habituer à dire quelle sorte d'entonnoir tu es, pour toi-même, pour ta femme, pour ton mari, pour tes frères, tes soeurs, tes enfants, les gens dans l'entourage proche que tu fréquentes. Donc, c'est là qu'on dit des collègues de travail, ton professeur de ton enfant à la maternelle, la gardienne, le jardin d'enfants préscolaires que tu peux fréquenter des fois pendant 2, 3, 4 ans à tous les jours, OK? Qui fait que, qui es-tu, OK? Qu'est-ce que tu apportes ou qu'est-ce que tu retires?
que j'avais dit hier, quelle sorte d'outils, à quelle sorte d'outils de cuisine est-ce qu'on pourrait te comparer? Puis j'avais parlé de l'entonnoir, OK? C'est là qu'on dit qu'à chaque fois qu'on parle, là, je vais le faire sur une autre vidéo, mais quand tu parles, exemple, là, j'ai mis mes marionnettes, tu les as reconnues. Quand tu parles, exemple, à ta fille, OK, est-ce que ça vient lui trouer, ça s'en va comme ça, puis ça vient faire quelque chose qui n'est pas le fun? Ou bien quelques mots, quelques gestes qu'on a pensé d'avance en parlant ensemble, papa puis maman. Quand on y a fait ça, écoute, elle veut même pas les voir en fin de semaine. Là. Elle est dans sa chambre en train de faire de la vidéo, puis c'est grand-mère qui est là, puis elle aime ça, OK? Fait que c'est là qu'on dit, il faut pas juger. Il faut pas juger, OK? Fait que ça va être sur une autre vidéo. Puis je suis pas sûre que je vais t'en dire beaucoup parce que j'aimerais que ça t'amène à une réflexion. Bye bye!